cycle de la vie. T'as déjà regardé dans l'espace une fois? Il y a plein de trous noirs dans l'espace. Et moi, je suis comme un trou noir. Ça fait des années que j'emmagasine, que j'entasse tout un tas de trucs inutiles. Ce que tu vois derrière moi, c'est des années d'invention qui servent à rien. Aujourd'hui, je vais tout jeter, oui. Ouais, génial. Dis donc, je peux récupérer ça? Non, tu peux pas, Rapido. Désolé. Un trou noir, quand ça jette, ça fait pas de détails. Je me sens revivre. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? La lampe saucisse, elle servait pas à rien, elle éclairait les toilettes. Lâche-moi, pauvre imbécile, ne touche pas, on touche pas, Rasmo. Mais pour qui tu te prends? Dégage, Rapido, toi aussi, tu vas y passer dans le trou noir. Mais wow. Attends, deux secondes. Tu me laisses maintenant. Je ne partirai pas avant d'avoir récupéré au moins le défibrillateur à cornichons et le chapeau hérisson. T'as rien du tout, t'auras mal au défibrillateur. Excusez-moi, mais j'ai surpris votre conversation. Je m'appelle Ernest, je suis à la recherche d'un inventeur qui saurait concevoir une toute nouvelle attraction style montagne russe, mais totalement révolutionnaire. Bon, évidemment, en contrepartie, j'offre une énorme récompense. Une récompense? Des montagnes russes révolutionnaires. Vous allez voir, c'est mon parc d'attractions personnel. Ah, c'est génial. La plus grande roue du monde, la descente infernale, oh là 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 là, elle est extra, franchement, il faut le découvrir. Comme mes montagnes russes traditionnelles, avec triple boucle à vous retourner les boyaux. Et attendez, vous n'avez pas tout vu. Waouh. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est mieux que ça, c'est super, c'est mais désolé vieux, mais parce qu'on fait pas de manège ici, non? Ah. Scusi pour le dérangement. Attends. Je veux bien relever le défi, d'accord? Ouais, je suis d'accord, je vais te fabriquer un super manège, d'accord? Oh, je vois, tu es attiré par l'énorme récompense. Oui, mets-la-moi de côté, s'il te plaît. Je te fais ça tout de suite, d'accord? Franchement, c'est pas très juste, hein. Pourquoi c'est lui qui aura la récompense? Pas forcément, encore faut-il que le manège m'intéresse. Eh ben, moi aussi, j'ai qu'à en faire un de manège et on verra bien si je gagne, parce que le mien, ça sera le meilleur manège. J'ai fait de la place pour mes montagnes russes. Et comme je suis le meilleur, elles seront forcément les meilleures. Hein? Ah oui, mais moi, j'ai plus qu'à trouver un plan de super invention. Ah, bah justement, je sais où il y en a un, ça tombe bien. À compter de maintenant, l'accès de mon atelier est strictement interdit aux non-inventeurs. Désolé, mon vieux, j'ai pas trop le temps de te parler parce que moi aussi je bosse sur mon invention. C'est pas mal ce que t'es en train de noter. Ouais, c'est pas mal, mais t'inquiète pas, je vérifierai tout ça. Qu'est-ce que t'es en train de faire là? En fait, t'es en train de me copier, c'est ça? T'es en train de me copier? Ou à l'autre, n'importe quoi, moi aussi je fais un manège, c'est tout. Si j'ai pas d'idée, alors j'ai le droit de m'inspirer des tiennes. Ajouter à mon talent, bien entendu, et je ne peux que gagner! Non, mais attends, moi. Non, ou tu te trompes, c'est que t'as aucune chance de gagner, ok? Puisque c'est comme ça, très bien, je vais lui prouver que je peux aussi faire quelque chose de mes mains. Hein? Et hop là! Il est hors de question que je me laisse impressionner par deux ou trois bouts de bois. Heureusement, je te dis pas les outils bidons qu'il a. C'est l'enfer quand ça scie pas une scie. Je sens qu'il va me donner son plan. Faut pas que je la coupe trop court, j'aurai l'air bête. Voyons voir. Non, c'est bien ça, c'est ça. Une planche de 1 mètre à découper en 15 bouts de 50 cm, c'est ça. Ouais, c'est ça, va la couper ta planche, ouais. Ah tiens, parfait, je sens que j'ai une idée. Mais oui, c'est ça, j'aurais jamais pensé à un rond en forme de roue, très bien, en double rotation, bonne idée. Oui, voilà. Et l'autre type voulait me piquer mon plan. Ça y est, j'ai fini mon manège. Ça y est. Moi aussi. J'ai hâte de voir ce que tu lui as fabriqué, tu sais rien faire avec tes 8 doigts. Bon, il est où l'insecte? Vers là. Hein? Aïe, on a fini! C'est quoi? On va les essayer! Allez, faites-moi voir!
Ta-da ! Chouette ! Le même en rouge, le même en bleu. Ah oui, tiens, c'est... Ah oui, alors vraiment, faut être un spécialiste pour voir ça. Hein ? Rapido ! Il a raison, le ver luisant, ça sert à rien de s'énerver. Moi, mon manège, il tourne comme une horloge, alors que le tien, non mais regarde-moi ça, hein? Regarde ce bout de toile qui fout le camp, mais cette flaque d'huile, on voit tout de suite que c'est ni fait ni à faire. Alors que moi, tu peux y aller, nickel chrome, regardez, génial, génial, waouh, comment il est bon, regarde comment il tourne, bravo, bravo, tout le monde, allez, tout le monde. Et étant donné que c'est toi qui me l'as commandé, à toi l'honneur de l'inaugurer. T'es bien assis, là? Oh ouais, super. Alors profite, petit. C'est parti! Dis donc, y a pas un petit peu trop de néon là? Oh non, c'est très bon, c'est bien, c'est bien. Mon manège, je vais gagner! Ah! Et celui de Rapido, il faut l'essayer! Mais bien oui sûr qu'on va l'essayer! Et il le faut, c'est la règle! Imagine un peu s'il est meilleur! Tu vas voir, je suis sûr qu'on va bien rigoler! Bah, c'est pas possible, il manque le chatouillage! Je crois que j'ai gagné. T'as gagné seulement si le manège fonctionne. T'en fais pas, c'est rien, je vais t'arranger ça en moins d'une heure. C'est vraiment pas juste, vraiment c'est pas juste. Faut que j'aille prendre l'air. Je vais avoir un nouveau manège, le plus beau de mon parc d'attractions. Les attractions, moi j'adore ça. Bah moi aussi, en fait, je les collectionne. Si tu veux les essayer, un jour, je te donnerai des petites places. Hein? Waouh, c'est incroyable, dis donc, comment il va vite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu regardes? Oh là 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 là, c'est la méga classe. Typique le genre de manège que je cherche. Mais oui, y a rien de mieux à mon avis. Il faut que tu l'essayes. Entre nous, c'est typique le manège à grosse récompense. Oh là là, je crois que oui, t'as toutes tes chances de l'avoir. Hein? C'est bon, ça y est, j'ai tout réparé. Hein? Quoi? Pourquoi tu fais l'étonner? Qu'est-ce qu'il y a? Eh oui, c'est ça la grosse récompense promise par Ernest. C'est la vie, mon gars. Il a préféré ma rat-board à ton serveur à ta saté, c'est tout. Tu sais comment ça s'appelle que tu viens faire, tu sais? Ça s'appelle gagner une énorme récompense, voilà. Sois pas jaloux, t'avais aucune chance de gagner contre moi. Hein? Quoi? Hein? J'ai gagné un mixeur rose géant. Mais il faut juste retrouver des grosses bananes comme ça, tu vois, à peu près un diamètre environ comme ça. Oh non, attends, j'ai trouvé, tu fais des jus de carottes énormes. Non mais attends, Razmo, mais il faut faire quelque chose, il faut que tu m'aides à récupérer ma rat-board. Mais oui, d'accord, rapido, pas de problème. Vite, assieds-toi là et ne bouge surtout pas. Vas-y, il faut que tu t'amuses, il faut que tu t'éclates comme un fou, comme ça, s'il te voit, il va peut-être revenir. Raz, mais je suis pas du tout sûr que ce soit une très bonne idée.
On va la retrouver, ta raccord, je te le dis, t'inquiète pas. Tu vois quelque chose là-haut? Tu ne vois pas Ernest des fois? Il saute pas assez haut, on dirait. Faut que j'augmente la puissance. Il y a des réglages qu'il faut que j'affine et j'ai besoin d'outils pour ça. Tu bouges pas, hein, j'en ai pour une seconde. Je vais en profiter pour me prendre un petit truc à grignoter, toi. Parce que là, j'ai un peu la dalle. J'ai promis au capitaine de faire un méga soufflé au fromage. Il me faut du courant. Svetlana, t'es où? Ce moteur de l'air spatial est propre et simple à utiliser. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus lorsque vous verrez avec quelle efficacité ces bébés fonctionnent dans n'importe quelle condition. Ah, c'est qui ce petit bonhomme avec la soucroute sur la tête? C'est juste un petit bavard qui veut tester un nouveau moteur sur le cargo et moi je l'écoute mais je suis pas d'accord. Ce n'est pas qu'un simple moteur, c'est le turboréacteur à fromage. Laissez-moi seulement l'essayer sur votre beau bateau, vous ne le regretterez pas. Comme j'ai dit, pas d'accord. Attendez! Ne partez pas, je suis disposé à vous verser une somme coquette de quoi vous offrir plein de coquetterie. Vous avez fait le bon choix, je vous félicite. Décidément, on blablate et on perd du temps, alors que la solution est toujours la même. Et voilà, ouvrez grand vos mirettes et contemplez cette merveille de la technologie. Alors, qu'en pensez-vous présentement? Bah, il est tout petit. Nom d'un ragondin, qu'est-ce qu'ils ont fait de toutes les machines? Il n'en reste plus une seule. Oh mon Dieu, ils ont piqué tout notre parcours d'obstacles. Au moins, il nous reste la soute à fromage. Le dernier arrivé là-bas est un abruti total. C'est toi l'abruti total, ouais. Ce moteur très économique consomme uniquement du fromage. Avec l'aspirateur turbo branché directement sur la soute, pas besoin de se déplacer. Total. Et maintenant, place à la science avec les doigts. Capitaine, comment vous trouvez notre nouveau moteur? Oui, eh bien ça me rappelle le bon vieux temps, ma petite fille. Lorsque j'étais jeune et plein de fougue. Rompez! Rapido, ramène-toi, faut qu'on aille voir le nouveau moteur. Ah! Mais quelle merveille! J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ouais. Oh, wow, trop classe, on peut se voir dedans. C'est tellement soyeux. Oh, ça rappelle le fromage en plus. Hey, je pourrais me faire le même sur ma rackboard. Ouais, et pour moi aussi. Tu trouves pas que ça sent un petit peu bizarre? Le fromage brûlé. Utiliser notre fromage comme un carburant! C'est la fin, ça y est, c'est la fin! Rasmou, mais qu'est-ce que tu fais planter là? Vite, dépêche-toi, faut sauver notre fromage! Ah,
qu'on arrête ce monstre. Oui, t'as raison. Tous mes bons fromages qui s'envolent. Et les miens. Dis donc, j'ai failli me salir, moi. J'ai l'impression que comme par hasard, j'ai trouvé le poste de contrôle. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à trouver comment ça s'arrête. Ah, un jeu vidéo. Alors ça c'est marrant. On dirait un rapido, c'est trop marrant. Waouh, comment il est classe ce jeu. Ah, je suis trop bon. Ils sont forts ces japonais, il est bon. Il est trop bien ce jeu. Attends, j'hallucine. Oh, le pauvre petit rapido, il en prend plein la tête, la parole. Aïe, oh, ouais, c'est bon, vous inquiétez pas, j'ai rien, même pas mal. Super. Allô, Tej, j'y crois pas, hein. Rase-moi. Bah super, t'es content, tu m'as fait perdre ma partie, hein. Je te signale que pendant que toi, tu faisais le faux athlète, moi, j'essayais de sauver la situation, ok? Rapido, nous sommes dans le poste de contrôle, au cœur de la machine. Rasmo, mais dépêche-toi! La moitié du fromage s'est déjà presque tout envolé! Mais chut! Le fil jaune est coupé après le fil bleu. Oh, je m'embrouille! Mais bien sûr, tu t'embrouilles, mais attention, ils vont bientôt attaquer ma moitié! Ah, laisse-moi faire! Un peu de vaudou n'aura jamais fait de mal. Va me chercher du poulet et de l'eau chaude. Dieu des mécaniciens et des électriciens, entre moi! Je prends les fils jaunes, les fils verts. Et voilà! Oh, grand prêtre, où s'arrête ton pouvoir? Chut, tais-toi et écoute! Fabrique des fromages. Oh mon Dieu, mais c'est insensé. Rapido, si mes calculs sont exacts, nous sommes en train de produire assez de fromage pour faire la distance Paris, Lune, New York en gorgonzola. Le moteur s'est arrêté. Ah, j'ai inventé une machine intelligente capable de produire du fromage à partir de l'air. Ah, c'est bien que vous soyez là, je viens de faire mes comptes. J'ai calculé le coût de production du nouveau fromage. Si je soustrais la somme que je vous ai déjà versée, vous me devez encore 250 000 billets. On se calme, mon joli. Bien sûr, j'accepte les cartes de crédit et vous pouvez régler en plusieurs fois. Offre, bien entendu, soumise à condition et sous réserve d'acceptation. Je les soupçonne d'avoir voulu nous embrouiller. J'aurai la peau de cette machine sur mon honneur de samouraï. Bravo, Benny. T'as stoppé le carnage. J'aurais dû m'en douter, c'était trop beau pour durer. Ah, les vandales, ils vont me le payer. Attends, le moteur, s'il s'en sert plus, on est peinard, nous on le récupère. Comme ça, on le monte sur nos radboard et on ira super vite comme un hélicoptère. Parfait, aide-moi, c'est le moment, qu'est-ce que t'attends? Allez, faut qu'on le transporte dans mon atelier, allez. 6 tonnes de ferraille à deux? Bah oui, bien sûr, pourquoi tu rajoutes pas une tonne? Vous n'allez pas vous en tirer comme ça. Vous allez regretter de vous être moqué de moi. Ah, mais tant pis, il sera que pour moi le moteur et je serai le plus rapide.
Benny, on a intérêt à tout ranger avant que le capitaine ne voie les dégâts. Non mais quoi, quels dégâts? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et pourquoi on n'avance plus? Tu vois? À cause de toi, il reste plus rien, il reste plus que ce bout de tuyau. Eh ben, la prochaine fois, t'auras qu'à vérifier qu'il n'y a pas d'antival avant de piquer quelque chose, patate. Ah ouais, patate, patate, moi, patate, toi... Rasmo, ça faisait au moins 6 tonnes. Et alors, 6 tonnes, j'ai déjà soulevé une fois, j'ai soulevé ta mère, rappelle-toi. C'est que des trucages. Le Kung Fu, c'est pas des effets spéciaux. Rallume. Mais je regardais la télé, là. N'importe quoi, ça va jamais griller, hein. Faudra que tu laisses des jours et des jours avant que ça prenne une petite tache brune. Et voilà, ça, c'est du kung-fu. Rasmo, je vais t'avouer quelque chose. J'ai été un petit rat de 3 ans et demi qui a été recueilli et élevé par des moines dans un monastère Shaolin il y a bien longtemps. Quand je les ai quittés, je maîtrisais parfaitement le Tao de tous les animaux. Singe de feu, c'est ma spécialité. Ceinture noire, 16e dan. Bon, je te laisse. Si tu veux devenir un maître du kung-fu, tu devras étudier toutes les disciplines, petit scarabée. Et surtout connaître sur le bout des doigts l'art du... massage de pied. Comme ça, c'est bon, là, ça te plaît, là? Bien le bonjour. Vous allez faire vos valises et abandonner ce navire. Moi, je suis Bruce Louis. Lui, c'est Abdullah Abdullah. On est le gang de les dames. Ce bateau et sa cargaison sont à nous. Mais d'où tu sors, toi, hein? On est chez nous ici. Allez, hop, demi-tour, les gamins. Eh, mais c'est horrible, cette coupe. Tu vas me changer ça tout de suite. Allez, dégage. Je suis très impressionné. Bon, allez, tu dégages maintenant. Ou vous allez provoquer la fureur du singe de feu rapido, grand maître Shaolin de Kung Fu à 3 ans. Il va vous sortir, ça va faire très mal. Pire qu'une raclée, tiens, j'ai hâte de voir ça. Oh, ça va être la honte pour vous. Bonjour, messieurs, comment allez-vous? Vas-y, rapido, vas-y, éclate-les, démonte-les. Ah, je vais m'éclater. Je suis désolé d'avoir à vous demander de bien vouloir faire ce qui vous le demande. Il est un peu énervé ces derniers temps. Vas-y, rapido. Demain, quand on reviendra, il vaudra mieux que vous soyez plus là. Sinon... Génial, super, bravo, t'as pas donné un coup, quel contrôle. Génial, c'est bon, ils sont partis, t'en fais une tête, t'as pas l'air content. Bon, demain on remet ça, ok?
Le dragon de fer cherche sa proie. Avec sa queue, il frappe. Très bien. Alors, là, les yeux sont bien. C'est fini. Debout. Tu vas m'aider dans ma préparation kung-fu et de cette manière, le kung-fu, tu apprendras. Ces deux brigands ont réveillé le singe de feu qui est en moi. Fais ce que je te dis et ouvre les yeux en grand quand le maître entre en action. Je reviens. Donc il se couche. Jette-moi un truc à la figure, allez. Et te retiens pas, vas-y à fond. Un truc comme ça par exemple. Jette-moi un truc. Le roseau plie, jeune facochère, mais ne rompt jamais. Oui. Hein? Wouah, maître, c'est incroyable, vous avez dispersé toute l'armée russe en deux secondes. Grand chinois, grand. Merci. Excusez-moi de vous déranger, grand maître, mais ça sert à quoi cette odeur puante qui pue? Ça ne pue pas, c'est de l'encens, petit Fennec. Il permet d'éloigner les mauvais esprits, y compris ceux qui habitent un grand corps plein de muscles. Ah, ils peuvent venir! Maître Rapido les attend. J'avais pas dit qu'il vaudrait mieux que vous ne soyez plus là, hein? Sinon... Bien, bien, il est temps de passer au sinon. Tous vos sinons ont mis Maître Rapido en colère. Qui serait plus fort karatéka, évidemment, c'est Rapido. Voici. Le dragon de fer cherche sa proie. Le dragon de fer cherche sa proie et avec sa queue, il frappe. C'est dans Kung Fu Monster, le premier. Je l'ai vu, moi aussi, plusieurs fois même. J'ai le coffret DVD Kung Fu Monster 1, 2 et 3. Avec des combats de Nunchaku en supplément bonus. Soyez dans ma taillard. Alors là, tu me déçois énormément. Toute cette histoire d'enseignement à 3 ans et demi, les moines Shaolin, tu m'as menti et je t'ai cru. C'est pas beau de mentir, Rapido, t'es vilain. Eh oh, le grand, viens t'expliquer avec moi de plus près. Toi là-bas, tu te la fermes, personne t'a parlé, tu te la fermes, tu te la fermes tout de suite. Dehors, tu dégages de ce bateau. Oh, grand maître, acceptez-moi pour disciple, je vous en supplie. Apprenez-moi la technique du dragon d'or qui fume pour régner sur le port de Hong Kong. Tu veux être mon disciple? Ok, d'accord, ça marche. Mais tu te la fermes et tu me suis, ok? Alors, pour mériter le titre de grand maître qui fait ce qu'il veut comme forme avec la fumée, tu devras d'abord gravir les 707 échelons de la sagesse. D'accord. Très bien. Pour l'étape numéro 1, il te faudra faire preuve de courage. Tu vas plonger dans la mer, nager jusqu'au Cambodge où tu graviras la montagne de la vérité. Tu pourras la reconnaître en haut, il y a un peu de neige. Quand ce sera fait, ben, il y aura pause déjeuner, après on enchaîne. Merci, ô grand maître du dragon qui fume. Foyaya!
Waouh, Rapidon, mais il est incroyable ce magicien. Il a réussi à transformer un grand cheval en grand poney. C'est fou ça. Mais c'est un bouffon. La magie, c'est pas ça. Tout le monde le connaît, le coup du poney. C'est des effets spéciaux. Rien à voir avec la vraie magie, celle que je connais. Celle de Houdini, mon maître. C'est lui qui m'a tout appris, oui, quand j'avais 2 ans et demi. Bon. Allez, abracadabra. Houdini fut le plus grand des magiciens de toute l'histoire de la magie. Répare ça tout de suite! Non, tu te la fermes. Allez, tu dégages maintenant, sale mouche. Allez, sinon je vais chercher une tapette, dégage. Mais qu'est-ce que c'est que cette puanteur? Oh, ça me pique les yeux! J'y vois plus rien! Et voilà le travail, débarrassé de tous les vieux fromages qui puent pourri. Hein? Vous, là-bas! Arrêtez tout de suite de balancer vos cochonneries à la mer! Vous êtes en infraction totale avec le règlement maritime! Je vous somme de vous arrêter tout de suite! Ben quoi? Tu parlais avec quelqu'un? Préviens-moi! Ah ben c'est dommage, je crois qu'il a coulé. Cette pollution sauvage des océans est absolument intolérable! Ce fromage émet des gaz hautement toxiques ainsi que des graisses putréfiées. Mais je suis pas un pollueur, moi. Oula, pas si vite, mon gaillard. Il y a une gigantesque marée verdâtre à nettoyer. Il y a au moins 10 tonnes de produits dangereux ici. Et vous allez m'en débarrasser. Je vais passer ce navire au peigne fin pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres dangers pour l'environnement. J'ai bien l'impression que toutes les parois de ce navire sont peintes à la peinture au plomb. Hein? Une fuite d'huile? Un tel mépris des lois, ce n'est même pas imaginable. Vous allez me réparer ça et me réparer ça tout de suite. Mais faut qu'on fasse quoi? Réparer, imbécile! Et vous avez intérêt à vous dépêcher si vous tenez à votre poubelle flottante. Il fait jour, il me semble. Ventilateur non recouvert, contraire aux normes de sécurité. Recouvrez-moi ça! Et comment on va grimper là-haut? Bah, en pilant des fûts toxiques! Ça nous emmènera bien jusqu'à là-haut. Vous me remettez ça aux normes ou vous payez une amende? Non mais ça va pas, il pète les plombs, l'écolo, il est trop serré dans son slip ou quoi? Très bien, je vois qu'avec vous deux, ce n'est pas en douceur qu'il faut faire rentrer les idées. Ok, c'est bon, on s'en occupe, vous énervez pas! Je préfère ça. Poursuivons notre inspection. Rapido, referme ça tout de suite, t'es fou ou quoi? Attendez un peu. Bon, Rasmo, tu gardes la loutre, moi, je vais me promener. Mais... quelle est cette chose monstrueuse et fumante? Mais non, c'est écologique, ça marche aux légumes verts ainsi qu'on... Hey, tais-toi! Arrête ce moteur immédiatement! Mais t'es malade, quoi? Dans ce cas, je vais le faire! Je vais lui apprendre à polluer le monde, moi, ce sale petit vandale de malheur! Alors dis-moi, y a-t-il d'autres engins à bord? Non, c'est le seul! Tu es sûr de ce que tu dis? T'es sûr? Non, je vous jure! Jetez à l'œil! Attention! Alors, écoute-moi bien, mon petit gars!
Je ne tolérerai aucune autre infraction! Véhicule écologique! C'est quoi cette fumée noire qui sort de la cheminée? Je croyais qu'il n'y avait plus rien de polluant à bord! Mais n'importe comment, c'est pas de ma faute, c'est à cause des humains tout ça! Des humains? Ah non! C'est une catastrophe! Pas ces affreuses créatures dégoûtantes! C'est encore infiniment plus grave que je ne l'avais imaginé! Mais ne t'en fais pas. Je vais leur donner une bonne leçon, moi, ces pollueurs de malheur. Ok, ok, ok. Mais il utilise un appareil qui gaspille l'énergie. Il faut arrêter ça tout de suite. Je vais me servir de mon oursin secret 100% biologique. Mais t'as pas vu ma mère? Montre-toi que je t'éclate dans la tronche, cette espèce de lasse! Montre! Étape! Parfait! Nous voilà débarrassés de cet engin polluant. Mais c'est pas très bio de jeter des trucs à la mer! C'est vrai, mais les effets positifs dépassent de très loin les effets polluants, petit. Oh, oh, d'accord, je comprends, très bien. Viens là! Maintenant, dis-moi, où est-ce que ton camarade planque son engin volant? Pourquoi? Eh bien, parce que je vais devoir le démolir! Oh, regarde-moi ça! C'est le comble du gaspillage d'énergie! Et rapido, il m'a dit qu'il voulait massacrer ta radboard! Ce rat est encore pire qu'un être humain! Il m'a dit qu'il l'avait perdu! Et quoi? Hé! Hey! Touche pas à ça! Rapido, il va massacrer ta radar! Je dois combattre la pollution! Mais c'est pas vrai, non mais je rêve! Cette espèce de grosse loutre bleue m'a démoli ma radboard! Il faut stopper la pollution à sa source! Tu vas tâter de mon... Et le coupable doit être sanctionné. Hey, les gens savent plus se parler, ils savent plus discuter. Faites-moi sortir de là! Rasmo, mais qui s'attend pour faire sortir? La cour condamne le prévenu à 13 mois d'isolement dans la biosphère. Eh bien, monsieur le juge, inspecteur de la pollution et des travaux finis, c'était sympa, bonjour chez vous et à bientôt. Pas si vite! La mission n'est pas terminée. Maintenant, il faut s'attaquer à l'ennemi public numéro 1. Le moteur du navire. Mets tes lunettes de protection. Tu vas en avoir besoin. On va où, là? J'ai peur. Je peux sortir de... Waouh! Tout droit! Ouais, très bien! À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, et putain! Moi, je vais rester ici pour faire le guet, au cas où, on sait jamais. Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas là-bas, tu disjonctes le compteur électrique et tu ronges les câbles rouges. Et surtout, n'oublie pas de couper le courant avant. Vas-y! Mais qu'il est doux. Mais qu'il est doux. Très franchement, je le sens pas trop, votre truc. Pardon, je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Mais je vois pas pourquoi je ferais ce que vous dites. Et vous arrêtez de me parler comme ça, j'en ai marre. Ok, d'accord, très bien, c'est toi qui décides. Je m'occuperai de toi plus tard. Tu veux me faire croire que cet oursin, il est pas à toi? J'en ai pas des violets. Ah bon? T'en as de quelle couleur? C'est pas les miennes. C'est encore les plombs qui ont sauté. Saleté des bestioles, je vais t'apprendre à ranger mes câbles.
Rapido. Salut, Rasmon. Rapido. Il est parti. C'est pas trop tôt. Quel cauchemar! Au lieu de bavarder, fais-moi sortir tout de suite! J'aimerais bien qu'on ait une petite discussion tous les deux! Non, ouais, ça, je peux réfléchir, mais d'abord tu te calmes. Rasmo, je te conseille de m'ouvrir tout de suite! Tu vois, tu cries, tu t'énerves, alors tu te calmes maintenant. Non, tu te calmes, respire. Tu n'entends que ma voix, c'est Rasmoraz. Rasmoraz, le roi de la magie, c'est parti. Attention, le calme est revenu. Eh ben, ils en ont mis du temps. Tu veux regarder quoi? Ça te dirait une émission sur les ballons dirigeables? Ouvre-moi tout de suite, Rasmo! Ah, pas question. Si je t'ouvre, je sens que tu vas me frapper. Et le problème, c'est que moi, j'aime pas être frappé. Rasmo, ouvre-moi ma bouche! Tu vois, ça recommence, tu t'énerves. J'aime pas la pluie. Rapido, je déprime quand il pleut. Masse-moi la nuque. Oh, je ne suis pas ta mère et en plus c'est l'heure de mon bain, salut. Attends. J'ai besoin d'un gros câlin. Tiens, voilà, tu veux un câlin, voilà, allez, salut. Si l'eau continue de monter, ça va très mal se terminer. Oh, qu'est-ce qui va nous arriver? Ce sera la fin, on va tous mourir noyés. Bah parle pour toi, moi je sais nager. Je suis trop mignon pour mourir noyé. Et là, faut rester zen, les gars, il faut être positif dans la vie. Il va s'arrêter de pleuvoir et il y aura la décrue. Te méprends pas sur mes intentions, Josiane. J'ai juste besoin de toi pour nous sortir de là. Bateau, droit devant. Pisse bien, Jo. Tu peux pas le rater. Est-ce que vous allez vous dépêcher, Smetana? Ce serait dommage de couler à cause d'une fuite au plafond. Bon sang, mais j'ai de la solution. Il faut qu'on quitte cette zone de pluie. Capitaine, moi, il faut vraiment que j'aille au cabinet. Rasmo, qu'est-ce que c'est que ça? Un nounours en peluche? Oh, comme il est mignon! C'est un vrai, il est vivant! Oh, merci, Rapido! Stop! Tu crois peut-être que t'as affaire à un débile? Je sais très bien que c'est toi qui as fait monter cet animal à bord! Tu connais le règlement? Mais c'est le... Pas de petits mammifères sur ce navire! Pas dans une poubelle, il va étouffer là-dedans! Mais si, il est très bien là. Génial! Tout un tas de nouveaux copains! Allez, copains! Rasmo, tu vas me faire descendre toutes ces sales bêtes de mon canapé. Et ça, tout de suite. Ce sont des animaux comme les autres, ok? Si tu crois que le rat est supérieur, eh ben, tu te trompes. Tu reviendras quand tu seras mieux disposé, d'accord? Bon, où est-ce que j'en étais déjà? Ah oui! Santé! Ah
dégagez de mon bateau! Eh, il resterait pas des cacahuètes? Bouge pas! Quand il y en a plus, il y en a encore! Et ici, c'est notre garde-manger! C'est spacieux! Qu'est-ce que ça dégage? C'est le fromage, en fait! C'est bon, c'est la première fois que j'en mange dans ma vie. Et pour mes cacahuètes alors? Ah! Ça va là? Y'a rien qui te dérange? Eh ben ouais, faut pas te déranger surtout, t'es en train de donner tout mon fromage à manger aux autres. Rapido! Quand on est un gentil rat, on partage avec ses amis, ça se fait. Oui, sauf que c'est pas du tout mes amis. On est quand même mieux au soleil. Mais qui vous a demandé d'arrêter de frotter? Tiens, tiens, si je me faisais aider par l'équipage pour éjecter les intrus. Oh. Oh. Mais c'est quoi votre problème à vous? C'est lui, hein, c'est ce rat, roulé comme un aime. Des animaux sauvages dans la cale. Marche arrière, n'ayons l'air de rien. Fais ce que je t'ai dit, j'ai un plan. Mais vous allez où? Revenez. Attendez, revenez, il faut mettre ces animaux dehors, moi j'en ai rien à faire. Rapido, me dis pas que tu les as balancés aux humains. Oh, mais quel pourri celui-là, dis donc! Nous sommes riches! Ces bêtes sauvages doivent valoir cher dans le commerce! Ouh! Je te crois! Hein? Ah. Oula! C'est pas bon ça, hein? Surtout ne paniquez pas! Là, je crois qu'on s'est fait avoir! Bon, moi non plus, je vais peut-être pas traîner, hein? C'est trop coincé, j'arrive pas. Faut se tirer d'ici. On s'est fait piéger, on va tous mourir. Vous en faites pas les gars, ça peut pas être pire. Ça peut donc que s'arranger. Rapido n'a pas vraiment fait exprès de nous entraîner là-dedans. Hein? Hein? Oh non! Non, non, arrêtez, arrêtez les gars! Non, 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 ça sert à rien! Te mêle pas ça, petit! Oh là là, on arrête! Non, non! Non, 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 on fait la paix! Allez, allez, tout le monde est d'accord, regardez tout ce qu'il y a à manger! Regardez, on peut même se faire une maison en fromage pour vivre dedans! Dégage! Hey, c'est quoi ça là? N'importe quoi, la violence n'est pas une solution, d'accord? Au contraire, on doit s'aimer les uns les autres, s'entraider comme des vrais copains entre copains pour s'en sortir. Attrapons-le! C'est à l'autre maintenant qu'on va faire sa fête! Sors de là, on aurait un ou deux mots à te dire. Y'a personne ici, y'a que du fromage, y'a personne. Mais non, ça c'est pas juste, ça c'est de la triche, vous avez un cochon avec vous. Regardez la sortie de secours! Pfiou! Oh là 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 là, comment c'était chaud pour moi! Ils vont me manquer!
5 100, 5 200. Tiens, parrain, tu en vas aller compter ces animaux néo-océans, hein? Ouais, il y a intérêt que ce soit de la bonne qualité. 6 000 taureaux, c'est parfait. Le compte est bon. Un peu, mon neveu. Bon, allez, envoie les animaux maintenant. Les voilà! Vite! Attrapez-les! Mais qu'est-ce que ça veut dire? Monsieur est blagueur? Il était le matin? J'ai une super collection de nœuds marins, si vous voulez. Oh, il est... oh non! Oh, 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 oh. Hey, regardez, réveillez-vous les gars, on a atterri au paradis. Oh. Eh ben, qu'est-ce que ça dégringole, dis donc. J'adore la pluie, moi, c'est chargé d'ions positifs, ça vous revigore l'âme et vous ouvre l'appétit. Tiens, j'ai une petite faim. Voyons voir, il doit rester un fond de soupe aux champignons, non? Oh, encore mieux, du cassoulet. Referme, tu vas te faire repérer. Qui c'est qui a dit ça, là? C'est moi! Referme maintenant, d'accord? Oh! Eh, mais j'ai faim, moi, hein! Attends, pousse-toi un petit peu dans le coin, là, histoire que je récupère la petite saucisse, là. Non, attends, regarde, bouge! Dégage! Eh, mais qu'est-ce que je vais manger, moi? Tiens, le v'là ton repas, maintenant, oublie-moi! Reviens, rapido! Il y a déjà 2 jours qu'ils sont partis, bon sang! Impression et j'espère pour toi que je me trompe, mais quelque chose me dit que tu sais ce que font ces 2 têtards dans mon bain. Mais c'est pas des têtards, c'est des grenouilles. Et elles sont plus dans ton bain, sont dans ton canapé. Renette et Roussette sont en danger en ce moment. Le psychopathe de Benny veut les cuisiner avec du régluant. Voilà. Ils sont fous ces humains, vont quand même pas manger ça. Non, c'est pas ça qui les intéresse, mais non. Ça. Nos cuisses. Tu dois nous protéger, Rapido. Ne nous abandonne pas, ne laisse pas ces horribles humains nous manger. Je t'en supplie, je veux pas être défigurée. On est les seuls à avoir pu sauver. Quoi? Vous êtes pas que toutes les deux? Ouais, on devrait être dans les 300. Ouais, tu oublies Erika et Ramzette et Colette, ça fait 303. Oh là là, 300 grenouilles, t'entends ça, Rapido? Faut les libérer. Non. Attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? Bougez pas, mes beautés, j'arrive. Vite, mets la jette désinfectante, vite. Rapido, s'il te plaît, tu peux pas me faire ça, s'il te plaît, me fais pas ça, je leur ai promis. S'il te plaît, en plus, il y en a une qui me regarde, elle me regarde tout le temps avec ses belles cuisses comme ça, c'est une belle fille. Non mais tu sais à qui tu t'adresses là? Je suis le premier pour sauver les filles, ça, d'accord, tout le monde le sait, mais ça c'est des batraciens, ça colle. Ok, j'ai compris, c'est pas encore aujourd'hui que j'embrasserai une grenouille. Super. Si j'attrape pas la peste, eh ben dis donc, j'aurai de la veine, hein. Quoi? C'est pour nous que tu t'es parfumé à l'eucalyptus. Croix, c'est trop bon avec de la sauce. La 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 la. Miam miam. Aïe. Qu'est-ce qu'il fabrique? Mais je comprends rien, j'aime pas quand je comprends pas. Et voilà. Ta 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 ta. Hop là. À table, petit. À table. Voilà, c'est bien, mangez les petits. Décontracte-toi, laisse-toi aller. Tu as les yeux tout tendus. Pareil pour les orteils, c'est complètement bloqué. Allez, décontracte. Ouais, c'est l'heure du marécage de l'amour. Mais pourquoi, Brenda?
Qu'est-ce que tu lui trouves à ce crapaud de Mike? J'aime Mike depuis que je suis têtard, John. Et il a une des plus belles feuilles de nénuphar du marais. Mais Mike est un crapaud baveux. Comment peux-tu embrasser un crapaud baveux, Brenda? Que m'importe que bave Mike. Ce qui compte, c'est son cœur, John. Il va l'embrasser! Il va l'embrasser! Bon, allez, on arrête les niaiseries, on met un truc bien. Mais Brenda, ne vois-tu donc pas que je t'aime? Oh si, je sais, John, c'est cruel. J'aime Mike. Hé hey, c'est ma télé, alors c'est moi qui choisis le... Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu fais ça? Je savais que ça te plairait, j'ai des petites ventouses au bout des doigts. C'est pratique, quand quelque chose me plaît, je ne lâche plus. Oh Brenda, j'aime sentir ta peau froide et visqueuse plaquée contre la mienne. Bon, maintenant, ça suffit. Pousse-toi, je ne vois plus rien. Ils vont s'embrasser. Voilà, comme ça elles sauront qui est le patron ici. Au revoir la télé. Mais qu'est-ce qu'elles m'ont fait jeter ma télé? Ah putain, c'est horrible! Tu sais qu'est-ce qui se passe? Il y en a des centaines dans l'arrière-cuisine! Et ils les engraissent le plus possible pour qu'elles aient l'air de grosses cuisses à manger! Bah c'est normal ça, le goût de poulet. Ah ouais, le goût de poulet. Et tu sais avec quoi il fait ce goût de poulet? Avec notre gouda! Ah! Alors là, faut pas les laisser faire ça! Je vais les remettre toutes à la flotte et vite fait! Ah non, c'est pas de l'hippopotame. Boubop. Ah oui, là tu réchauffes. Ha ha. Et les filles, regardez qui vient nous délivrer. Un superbe mec. Allez Milady, tout le monde à l'eau, c'est l'heure de la baignade, venez avec moi. Tu m'emmènes avec toi? Eh hey, mon sou, t'es tout seul, tu cherches une copine? Moi, tu veux être mon prince charmant? Coucou, je suis là. Oui. Il faut que je te voie, mon trésor. Attendez les filles, je l'ai vu la première. Non. Je t'aime, chez moi la paix. Svetlana, il y a un rat dans la réserve. Ah, ça dit, il faut le coincer. Surtout ne bouge pas. Moi, c'est normal, t'as bousé. Asmo. Oui, bonsoir, je suis là derrière. Où ça? Laisse-moi te présenter le Grenouillator. Bref, c'est 8 ans de recherche, enfin, c'est incroyable. Mais oui, un Bon, bref, avec ça, on va pouvoir les approcher. Une pointe de gingembre, je remue, et bientôt, Benny va dévoiler la surprise. Et quoi que tu fasses, fais-le vite, car il a une autonomie de 50 secondes. Ah, mince, j'avais tablé sur une minute. Oh, mais il est laid! Chut, mais taisez-vous les têtards, je viens vous libérer. S'il me touche, je hurle! Allez, sauvez-vous vite, allez! Quelle horreur, comment est-ce qu'on peut être aussi moche? Voilà, Svetlana, tu peux ouvrir tes jolis yeux! Ma surprise, ça saute de partout! Il faut les rattraper! Oh. Allez, on y va, allez, c'est parti le crapaud, allez, première, deuxième, troisième, turbo, allez! Hé, hey, ne te sauve pas! Et ce n'est pas l'heure de la promenade! La seule promenade que vous ferez, ce sera dans mon assiette! C'est coincé! Oh, mais quelle horreur! Il s'est arraché un œil! C'est un fou! Je vais m'évanouir! Le prince charmant! Mais qu'est-ce que vous faites? Non, lâchez-moi! Aïe, ça fait mal! Là, ça fait mal! C'est bon, on peut y aller! Rapido, la voie est libre! Je te ouvre! Mais qu'est-ce que t'attends pour ouvrir vite? On va dans le marais, viens, votre mari. Prends-moi dans tes bras. C'est toi, mon prince! Je t'attendais! Fais-moi un petit bisou, personne. Alors, où sont-elles, ces cuisses de grenouille? Mais c'est quoi son problème?
Je pourrais pas tenir encore très longtemps à ce rythme-là. Il me reste plus qu'un camembert, il est entamé en plus. Deux secondes, ça va, je m'occupe. Je travaille avec mon équipe. Tout sera prêt pour ce soir, je pense. Brenda, tu manges les mouches que je t'offre et tu retournes sur le nénuphar de Mike. C'est mal. Oh ! S'il vous plaît, on reste tous dans la file, s'il vous plaît. Vous prenez un ticket et vous vous installez tranquillement dans la nacelle. Un dernier bisou pour la route. Ah. Et moi, je suis là sinon, pour les bisous. Ça dérange pas, moi. Pas demain, quand même temps. Bon, ça y est, vous êtes toutes montées? Oui. Eh ben, on va pas vous faire attendre plus. Pareil pour l'envoi. Pas de problème. 1, 2... Maintenant. 3. À toi l'honneur. Merci. Comment ils font pour manger des cuisses de grenouille? Ça, c'est vrai, je ne comprends pas. C'est des êtres gentils, ils sont très sensibles. Ils seront 1000 fois mieux sur leur planète à grenouilles. C'est quoi la planète à grenouilles? C'est Grenouilleland. Grenouilla, Grenouille X. Rapido! Oh, ouais. Chargement terminé. Tous les trains sont chargés, capitaine. J'attends vos ordres. Les voilà, Svetlana. Tout le monde sur le pont, larguez les amarres, en avant toutes. Hein? Allez, grouille-toi, fais pas les clowns et monte vite à bord. Jette-moi une corde. Je te tiens. Rapido, tu veux du pâté? Bizarre.
Cosmo, ne regarde pas tout de suite, mais j'ai l'impression que notre manger, il s'en va. Toute la nourriture est attirée comme par magie par cette montagne magique de fromage qui ressemble à la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui mange des concombres ? Hein ? Une fourmi ? Ah ! Mais c'est quoi ça ? Ah, c'est la première fois que j'en vois un ! Mais c'est moche et ça pue ! Qu'est-ce qu'il a à nous regarder comme ça ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Le travail se fait pas tout seul. Tout le monde au boulot et on se dépêche. Heureusement, c'est pas une Coupe du Monde. Du nerf ! On n'est pas chez Mémé ici. Et c'est pas non plus du fromage. C'est une fourmilière. Ça va pas se passer comme ça, je peux te dire. Viens avec moi, rapido. On va récupérer le pâté. Pas de nuisibles dans la fourmilière. Hey, y a des trucs qui vont pas, là. On veut voir votre responsable, s'il vous plaît. On dégage. La reine parle pas aux rongeurs. Wouah, une reine. Mais évidemment, fais le calcul, une reine. Chaque colonie a la sienne de reine. Elle est le pilier de la communauté. Pas de reine, pas de fourmilière, monsieur. On l'éjecte et c'est toute la colonie qui disparaît. Eh ben si, deux rats, comme je te les ai fichus dehors. Trop fort. Hein? Ouais. Bonsoir, on est les grosses fourmis, c'est possible de rentrer? Vous êtes en retard, vous dormez dehors. Ta-da-da. J'aime pas les gâteaux. Par contre, j'aime bien tes petites bottes. Hein? Moi, le gâteau, je le veux bien. Bon, vous pouvez passer. Et si on vous demande, on s'est jamais vu, on se connaît pas. Je suis dégoûté, c'était des super bottes, c'était du cuir de vachette, je suis dégoûté. T'es cuir de vachette, arrête de te perdre. Eh, ça sent la chair fraîche. Ça vous dirait une petite partie? Prenez une petite canette, les filles. Ah, c'est du bon, hein? Alors, cela fait, cette partie? Non, sans moi, merci. Ouais, non, en fait, on fait que passer, on voulait voir la reine. Quoi? Je vois! Allez circuler! Allez voir maman, les filles! Génial, ton déguisement, ils nous ont pris pour des filles. Alors voilà, dès qu'on met du rose, alors vous, les rats, vous êtes vraiment... Détendez-vous, monsieur, on vient juste voir la reine. Dis donc, pour qui tu te prends? On n'entre pas au palais pieds nus! Qu'est-ce qu'ils ont, mes pieds? Bon, bah, vas-y, tout seul, moi, j'attends ici. T'inquiète pas, je sais ce qu'il faut faire. Fillette, tu reviendras quand t'auras des souliers! Vous êtes prier? Je crois qu'en fait, Rasmo, il a un problème de faciès, pas de pied. Je suis la 10125! Tu peux y aller. Un autographe, s'il vous plaît, ma bonne reine. Je l'ai! Oh, je l'ai! Oh, je l'ai! Salut, ma beauté. Tu sais que t'as de la classe, toi? Tu sais que j'ai remarqué que tu m'avais remarqué, que je t'avais remarqué? Ouh, mais dis-moi, enlève ce chemisier, il a l'air de te gratter, non? Tu sais, je suis pas celle que tu crois. C'est juste un déguisement. En fait, je suis pas une ouvrière, je suis un rat. Un amour de rat. Lâche-la, le rat! Pas toucher à la reine! Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Va jouer chez ta mère. Oh, bah ça alors! J'aurais juré que t'étais Chantal! J'ai dit non, dégage.
Laissez-vous sur la rade-bourde. Et c'est la reine. Allez, on s'arrête ici. Nombre exceptionnel. La reine dégage. Ça va derrière, patron? Vite vomir. Hé, je te parle, la grosse, ça va? Tu sais que t'es mignonne quand t'as peur, toi? Alerte! Alerte! On enlève la reine! Demi-tour! Brille! Halte! Par ici, les vachettes! Sors l'arme secrète. Mais bien sûr. Le paquet. Ah, rendez-nous notre rêve. Écarté quand même, hein. Bah c'est ce qui me plaisait chez elle. Elle me manque. Oh ça va, oui là, mais rien que d'y penser, moi ça me fout le cafard. Hip, hip, hip. L'envie à nos héros. Vous nous avez débarrassés de nos oppresseurs. On peut ressortir de notre cachette. Excusez-moi, vous avez une reine? Bien sûr, regarde comme elle est belle! Nom de parmesan, elle a les dents encore plus écartées que l'autre.